Bon bala bon bali bing bing bon. Bonjour tout le monde, me revoilà. Oui, ah, je suis content d'être de retour. Ah, je vous ai manqué, hein? Oui, je sais, je vous ai manqué. Certains diront, comment ça que ta capsule est pas sortie à la bonne date? Ben, c'est simple. C'est parce que le mois de février a tellement été plate. C'est plate, rien. Il s'est comme rien passé. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave. Je m'a sauté un mois, puis je ferai une plus grosse capsule au mois de mars. Mais ça a l'air que je ne peux pas sauter un mois. Non, parce que là, tout à coup, il s'est mis à pleuvoir. Des courriels, des lettres, des coups de téléphone. Ah, t'es où, qu'est-ce que tu fais? Ah, des lettres, plein de lettres. Ah, on est inquiet, la capsule. Il y avait du monde qui manifestait devant chez nous. Une capsule. Fac, je me suis dit, bon, d'accord, je vais vous faire votre capsule du mois de février. Et je vais vous raconter comment il s'est tellement rien passé dans mon mois de février. C'est ça? Ouais. Fait que là, je me suis assis et j'ai fait, qu'est-ce que je vais leur raconter? Ben, c'est ça. Finalement, je me suis dit que j'allais vous raconter les riens de mon mois de février. Le mois de février a tellement été tranquille, je pourrais même dire qu'il a été un peu... catatonique. Ça serait vraiment le bon mot. Tu sais, le mois de février, normalement, il y a la Saint-Valentin. T'sais, il est supposé de se passer quelque chose à Saint-Valentin, t'sais, quelque chose de mignon, de beau, de enjoy, vive la vie, vive l'amour. Moi, ma Saint-Valentin, je l'ai passé avec une bouteille de vin, un sac de chips, tout seul, chez nous, avec Smallville, avec Clark, Kal-El de son vrai nom. Épisode 5, 6, 7 de saison 10. Ouh! C'était ma plus belle Saint-Valentin. C'est à peu près ce qui m'est arrivé de plus exaltant dans mon mois de février. Ouais. Quoique, il s'est bien passé un petit quelque chose, là. Bon, OK. Je vous le raconte. Ben, c'est un gars que j'ai rencontré pendant une formation d'une couple de jours. Tu sais, genre de gars, beaux yeux, beaux cheveux, belle bouche, belle chaîne. Encore, genre le gars, tu sais, qui a le kit, là, qui est bien mignon, là. Puis là, c'est une couple de jours qu'on est là, puis là, à la dernière rencontre, qui se finit, tout le monde ramasse ses affaires, vient me voir, puis il me dit, salut, t'as-tu le goût qu'on aille prendre une bière? Quoi pas? Ben, ouais. C'est pas ça que je réponds, je fais... Ouais, ça pourrait être cool, tu sais. Fac, on s'en va prendre une bière. Tranquille. On prend une petite bière, on se saoule pas, là. Non, j'ai encore tout mon esprit conscient. Fait que là, on jase, on rit, c'est cool, le temps passe. Là, finalement, j'étais un peu fatigué, tu sais. Puis je fais, bon, ben, on y va-tu, tu sais. Puis il fait, ouais. Ouais. Fait que c'est cool. Moi, je fais, bon, on s'en va. Je vais pouvoir aller me reposer. J'avais comme une grosse semaine, quand même. Qui s'était pas passé grand-chose. Mais une grosse semaine à courir partout, à faire des entraînements. Fait que je suis comme, ah, oh, je vais pouvoir aller me reposer un peu. C'est là que le fun pogne. On arrive dans le métro, on embarque, c'est cool. Puis là, je le regarde comme il faut, puis je me dis dans ma tête, ben voyons, Rémi, là... T'es comme un super beau gars devant toi, sympathique, drôle. Toi, tu fais, oh, on s'en va-tu? Ouais, fatigué, bah.
Merde. Fait que là, je fais... tu sais, lui, il a mes informations, il a ma carte, mon numéro de téléphone. Là, moi non. Fait que mettons que j'ai le goût de le réinviter. Fait que je demande d'un air complètement détaché. Ouais, tu sais, toi, t'as mon numéro de téléphone, t'as ma carte. Ben, mettons que j'aurais comme le goût de t'appeler pour prendre une bière. Tu sais, t'as-tu une carte, un numéro de téléphone? Je sais pas. Hein? Fait que là, il fait... Ben oui, j'ai une carte. Attends, elle doit pas être loin. Puis là, il se met à fouiller dans son sac. Fait qu'il est là, puis il fouille dans son sac tranquillement. Puis là, il tasse ses affaires, puis il fouille. Voyons, il est comme un peu amorphe, là. C'est comme, c'est quoi, là? Je te demande juste une carte. Pendant ce temps-là, lui, il fouille encore. Puis il me jette des petits regards doux, là.